développement de projets de méthanisation, c'est un processus qui est long, complexe, qui implique beaucoup de monde, et qui donc n'est pas inné. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, notamment avec l'expérience. Ici en Dordogne, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur ces aspects-là. Et donc cette expérience, on l'a acquis, on l'a développée. Et l'opportunité de ce CASDAR, c'était justement d'organiser le transfert de cette expérience-là vers d'autres structures, vers d'autres champs d'agriculture, pour quelque part accélérer la montée en compétences de ces autres structures, pour leur éviter peut-être de passer autant de temps qu'on a pu en passer ici pour acquérir toutes les connaissances nécessaires. L'expérience qu'on a ici en Dordogne, au sein de l'Association d'éleveurs de Dordogne, elle est spécifique au projet de méthanisation en petit à moyen collectif en milieu rural. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthode de développement qui est universelle, qui va s'appliquer à tous les projets dans tous les cas. Non, elle ne s'applique qu'à ce type de projet de méthanisation, qui sont ceux visés dans le plan EMA qui est sorti en 2013. Il n'y a pas deux projets qui soient totalement identiques. Effectivement, souvent, c'est les hommes d'une part et le territoire d'autre part qui vont dicter chaque projet. Donc, quand on développe un projet de méthanisation, il faut à tout prix éviter de coller précocement un schéma de développement sur ce groupe et sur ce territoire pour lui donner tout l'espace dont il a besoin pour se développer. Et pour développer le projet qui va s'adapter au territoire et non pas l'inverse. Le transfert de cette méthode, il passe pour partie par des connaissances, donc des connaissances d'ordre agronomique, scientifique sur l'azote, sur la matière organique, sur le phosphore. Ça, c'est un volet de connaissances scientifiques de fond. Mais la connaissance de fond, elle n'est pas suffisante pour développer un projet de méthanisation. Parce qu'il faut aussi avoir un savoir-faire en termes de développement territorial, parce que c'est bien de ça qu'on parle quand même, c'est du développement territorial, c'est énormément de temps passé aux côtés des agriculteurs et de leurs partenaires territoriaux. Donc, le deuxième gros pilier de cette boîte à outils, ce sont des outils et des méthodes pour développer du projet, jour après jour, mois après mois, année après année.